Cette quatrième vidéo consacrée au relevé de saut. Aujourd'hui, je voudrais aborder un sujet bien d'actualité, vous le voyez, et qui probablement doit tarauder certains d'entre eux si vous êtes, livrés à l'expérimentation que je vous ai proposée, à savoir apprendre en solo et le relevé en profondeur, la mémorisation. Alors, avant d'aller un peu plus loin, je voudrais répondre à une question qui m'a été posée plusieurs fois, à savoir, on me demandait pourquoi j'insiste sur le fait d'apprendre des solos in extenso, en particulier dans la partie de préparation que j'ai présentée dans les vidéos précédentes, pourquoi j'apprends en entier un solo. Alors, je vais être très clair là-dessus, il n'y a aucun problème à apprendre des phrases, à apprendre même des patterns ou à apprendre des bouts de solo. Tout ça, c'est très bien. Ce que je veux juste dire et ce que je veux souligner, c'est que c'est quand même en travaillant des solos en entier que j'ai appris certaines notions de construction de solo. À savoir, il y a des musiciens qui ont une construction évidente. Par exemple, le solo de Wes Montgomery illustre la construction single note, octave, bloc chords, qui est une construction récurrente chez Wes, qui est assez évidente. Mais on verra que le solo de Dexter, un peu moins peut-être, mais le solo de Getz illustre bien de façon plus subtile des problèmes de construction. Et un musicien que j'ai beaucoup relevé, Christian McBride, s'est inspiré de la construction des solos de Rembrandt par exemple. Et c'est en relevant beaucoup de solos que j'ai compris comment ça se passait. Juste pour dire que c'est important à un moment ou un autre de faire des solos en entier. Sinon, on se contente de faire des relevés de phrases, on fait des phrases intéressantes. Mais on manque peut-être un peu de construction, de charpente. Et donc un solo, ça manque un petit peu un début, un développement, une fin. On le dit souvent en souriant, mais c'est quand même très vrai. C'est un peu une histoire en solo. C'est pas juste des phrases qu'on décide d'arrêter quand c'est fini. À propos de solo relevé, je tiens à faire un petit coucou amical à Olivier Pinto, qui est un contrebassiste marseillais, je crois, que je ne connais pas, mais qui a publié une vidéo d'un solo de Christian McBride sur East of the Sun and West of the Moon. Un solo difficile, avec une phrase à l'intérieur extrêmement difficile, d'ailleurs à relever même. Et voilà, bon, il m'a pris un peu de vitesse, le solo est un peu plus court, mais en tout cas, bravo à lui. Et j'ai juste envie de dire à lui et à Xavier Leroy aussi, qui m'a envoyé une vidéo de lui en train de relever un solo de Brad Meldo, que le travail n'est pas fini sur ces solos. C'est maintenant qu'on peut faire du travail en profondeur. J'y suis pas encore parce que je suis juste à la mémorisation, mais surtout, ne vous arrêtez pas là-dessus. Alors globalement, on le mémorise de trois façons. On mémorise par l'oreille, c'est-à-dire ce qu'on a fait pendant la préparation, on chante un solo. On chante, on l'entend un peu comme on mémorise une chanson même qu'on n'aime pas. On l'entend, on la mémorise. Ensuite, on a la mémorisation théorique, on peut la mettre dans cet ordre-là, on va commencer comme ça. Ce qu'on connaît, c'est-à-dire qu'en fait, on peut reconnaître un bout de gamme majeure, par exemple. La gamme majeure, on la connaît aussi par ses intervalles, par des notions théoriques. Ce qui fait que je peux chanter une gamme majeure, en chantant une gamme majeure en pensant à la gamme Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do facilement, mais je peux aussi penser les intervalles, par exemple. Et on va aussi mémoriser, et je pense que c'est ça qui est très important aujourd'hui, je l'ai gardé en troisième position, mais en fait c'est la deuxième position, c'est en jouant. Donc ces trois aspects de la mémorisation,
je les place dans un certain ordre. Comme vous avez vu, je fais d'abord ce que j'entends. Je me mets très à l'aise avec l'oreille et j'essaie de comprendre l'ensemble du solo. Je vais continuer ce travail tout en faisant ce que je peux jouer. Et ensuite seulement, j'y reviendrai à la consolidation avec toutes les notions théoriques. Et là, c'est très profond et très long comme travail et presque infini. On peut vraiment faire énormément de choses avec cette zone-là. Mais ce que je voudrais qu'on retienne aujourd'hui, un point très important, c'est qu'à la fin des fins, ce qui reste, c'est ce qui sera à l'intersection, donc j'ai dit c'est une petite cible, à l'intersection de ces trois ensembles. Si je travaille mon ear training, je vais taper dans cette zone, mais si jamais ce n'est pas sur des matériels que je peux jouer, je ne retiendrai pas. Si je lis un traité de théorie, je vais taper dans cette zone, ça ne restera pas ou ça ne me servira pas. En tant qu'improvisateur, hein, ça peut servir pour les dîners mondains peut-être, mais en tant qu'improvisateur, ça ne servira pas. Est-ce que je peux jouer mais que je n'entends pas des exercices techniques que je ne sais pas où jouer ou que je n'entends pas vraiment, ne vont pas vraiment servir. En tout cas, on ne va pas optimiser son temps là-dessus. Donc pour optimiser son temps en tant qu'improvisateur, je pense que il vaut mieux essayer de travailler et de se poser la question de savoir si à chaque fois on tape bien dans cette cible-là, à savoir est-ce que c'est quelque chose que j'entends, est-ce que c'est quelque chose que je peux jouer et est-ce que c'est quelque chose que je comprends. Et pour finir avec ce petit dessin, ce petit triptyque de données, je dirais que tout ce qui tape hors de la zone, non seulement va vous faire perdre un peu de temps quant à votre travail de l'improvisation, parce que c'est quand même beaucoup de temps de lire un traité, c'est beaucoup de temps de travailler de training, c'est beaucoup de temps de travailler des exercices techniques. Si ça ne doit pas rester, c'est un peu dommage. Voilà. Mais non seulement ça va vous prendre beaucoup de temps, mais ça va aussi vous encombrer un peu l'esprit au moment de monter sur scène et de partager avec les copains. La musique, tout simplement. Pourquoi ? Parce que avoir des exercices techniques, ça sous-entend qu'on a des objectifs. Et très souvent, malheureusement, on les amène avec soi sur scène. Avoir des données théoriques, ça, on a un peu des valises pleines de papier dans les mains. Pas tout à fait évident de partager avec les gens dans ces conditions-là. Et voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Ça se discute, bien sûr. Tout est discutable dans ce que je dis. Mais en tout cas, moi, je l'ai vraiment senti comme ça. Ça m'a nuit au niveau de ma disponibilité, d'avoir trop d'objectifs, d'avoir trop de choses dans la tête. Alors, la lecture dans tout ça. Alors, évidemment, il ne s'agit surtout pas de dire que la lecture doit être négligée. C'est un outil indispensable aux musiciens professionnels actuels, aujourd'hui. C'est un outil extrêmement pratique pour partager avec d'autres musiciens. Voilà. Le seul moment où je dirais que la lecture, là, doit être un peu laissée de côté, pour les raisons que je viens d'expliquer, c'est maintenant. J'ai constaté, en tout cas chez moi, de façon empirique, je ne sais pas si c'est le cas pour tout le monde, vous pouvez me faire des retours, que quand je lisais quelque chose la première fois, j'avais beaucoup plus de mal à le mémoriser ensuite. Un peu comme si c'est un outil qui est un raccourci extrêmement fort, extrêmement rapide, qui me fait aller droit au but, sans passer par la mémorisation physique, qui active un autre circuit en fait. Et en général, ça a eu tendance à me bloquer. J'ai commencé par ne pas savoir lire du tout, donc j'ai tout fait en mémorisation un peu physique et auditive. Et quand j'ai su lire, j'étais tout content, je lisais beaucoup de choses, et plus rien ne restait en fait. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, alors ça c'est mon avis, mais en tout cas je n'utilise plus du tout la lecture et l'écrit pour travailler les relevés et pour essayer d'en tirer quelque chose. Venons-en à la partie pratique de cette séance aujourd'hui, où je vais juste faire une illustration de ce qu'est la mémorisation avec l'instrument d'un bout de solo, par exemple. Il se trouve que sur le solo de Dexter Gordon, j'ai mémorisé les trois quarts quasiment. Il me reste le dernier, en fait, à faire, que je vais faire devant vous. Il s'agit tout simplement de greffer un geste sur l'oreille. Donc là, on va détailler la phrase. Dans le détail, alors avec l'oreille, on va vérifier qu'on n'écoute qu'une seule phrase, donc ça sera plus précis que l'écoute de préparation. Mais ensuite, on va essayer d'ajouter un réflexe physique, un mouvement, un geste à ce son. Et éventuellement, on va commencer à donner aussi quelques informations, à savoir évidemment les noms de notes, et puis des petits bouts d'informations basiques, théoriques, des bouts de gamme, des arpèges, des choses qui vont nous permettre de nous souvenir du solo. Mais vraiment, on va essayer de greffer le minimum d'informations nécessaires. Pour les raisons que j'expliquais avant, éviter de s'encombrer l'esprit. Avoir le minimum. Je dis même que dans certains cas, dans l'aigu par exemple à la contrebasse, on n'a pas besoin de savoir le nombre des notes. Le geste et le son suffisent. Ça m'arrive très souvent de jouer des notes sans savoir lesquelles elles sont et de les jouer juste.
En revanche, des fois, j'ai besoin de savoir le nom des notes. Dans ce segment, je crois d'ailleurs qu'il y a un passage, je l'ai déjà un tout petit peu regardé, je pense qu'il y a un passage où j'ai besoin de savoir le nom des notes. Le travail qu'on fait maintenant, c'est donc juste coller une à une les briques les unes aux autres jusqu'à la fin du solo. On repousse encore plus loin, on n'est pas encore au travail de la vélocité, au travail de la technique, au travail de l'adaptation à l'instrument, il y a encore beaucoup de choses à faire, mais il ne faut pas tout mélanger. Là, on est juste à essayer d'avoir une première approche physique, comme on a fait dès le début, dès la dernière vidéo, essayer de comprendre à peu près comment ça peut se passer. Ça sera susceptible d'évoluer quand le tempo va se rapprocher de la réalité. En l'occurrence, là, je joue à peu près à 80% le début de la vitesse. Moi, mon objectif, c'est de jouer à 100%. J'y arriverai ou j'y arriverai pas, on verra, mais en tout cas, je m'en rapprocherai, c'est sûr. Et pour ça, je mettrai en place des stratégies. Et avant de commencer ce travail devant vous, je voudrais juste vous attirer votre attention sur une chose particulière que j'ai vécue en travaillant comme ça. C'est, on a une proximité très particulière avec l'instrument quand il n'y a que l'oreille et le geste. Et la répétition des séquences, on refait le solo plein de fois. On a une proximité qui est beaucoup plus facile à créer avec son instrument, qui est un instrument imposant, vous le voyez, qui n'est pas si facile à manœuvrer. C'est beaucoup plus facile de le faire qu'en concert, quand on a des musiciens à côté de soi qui ont une idée de la musique, qui ont des moyens, des limites, des erreurs, le son, le public, le patron du bar, je ne sais quoi. On a beaucoup de choses à gérer. Là, on est tout seul, on va essayer de se mettre en osmose avec son instrument, le son, le geste, dans un premier temps, et le minimum d'informations. Et cette sensation-là, quand on arrive à la... Et on arrivera, on en parlera dans le travail de répétition de boucles courtes dont j'ai déjà parlé. Cette sensation-là, c'est bien d'arriver à la recréer, et il y a des moyens pour la recréer quand on est en situation de jeu avec d'autres musiciens. N'attendez pas de résultats instantanés. Ce travail-là a besoin de mûrir un petit peu. Un geste greffé sur un son, c'est deux informations qui ne sont pas forcément associées naturellement dans notre vie de tous les jours. Et donc, je vous conseille, comme disent les enfants, de laisser au moins deux ou trois dodos pour que ça mûrisse. Vous aurez des surprises, si vous faites ce travail-là, vous aurez des surprises dans 3-4 jours. Sur la facilité, et vous allez voir que ça va s'accélérer. On écoute cette phrase. Donc on arrive bien, j'avais vu cette phrase-là. Ça devrait pouvoir se faire ici, il faut sauter sur le sol. Ok, sol, fa, sa, la, do. Ça me paraît assez jouable. Pour aller chercher le sol, effectivement, même à 70%, c'est déjà dur. Donc, l'arpège de fa mineur. Tout ça en position. Je pense effectivement qu'il faut que j'aille chercher le ré bémol sur l'accord de ré pour éviter d'avoir un saut d'archer à faire pour aller chercher le sol. Donc, ça fait ta ba da da ba ba da da da. Alors ça c'est un arpège, ça va être difficile de s'en souvenir, on va le réécouter précisément. Alors celui-là il est intéressant. Je crois que c'était là qu'il y avait un ré bémol qui intervenait. Et donc là c'est vraiment typiquement le genre de notes ou d'arpèges ou de choses comme ça, où on va avoir besoin des notes pour
fixer les doigtés de façon juste. Sinon, c'est un peu trop compliqué pour y aller juste au geste. Parce que là, on a trois cordes, je crois, si je me souviens bien. Voilà. On l'écoute. Da, 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 da. Je crois que c'est ça. Do, ré bémol, fa, la bémol, si bémol. Donc, je suis en position du pouce. Donc là, le do. Ça, ça va pas être jouable. On va plutôt aller chercher là. Ok, on a bien trois cordes. Donc effectivement, le geste est moins naturel qu'un démanché qui correspond à l'intervalle. Donc là, on va avoir besoin de commencer à greffer des informations toutes simples, à savoir quel arpège S, quelle note sinon, S, sons, quelle note sont dans cet arpège. Donc pour moi, je pense que le plus simple, ça sera ça. C'est des changements de cordes sur l'archet, ça sera jouable. On peut même monter le pouce. Je crois que c'est ça. Ça, c'est l'importance de la préparation. J'entends la suite avant de la rejouer. Ok, un arpège. Alors, là, j'ai pas bien entendu. Il y a une note répétée, mais je sais pas laquelle c'est. Donc, je vais réécouter ça plusieurs fois en arrêtant le son. C'est la quatrième. Ok, ça c'est un arpège de Ré mineur 7. Ça c'est une notion qu'on peut commencer à avoir. On se dit, tiens, là, cet endroit-là, j'ai un arpège de Ré mineur 7 avec la quatrième note, la septième, qui est doublée. Donc, ok, très bien. Donc, je vais essayer de ralentir tout ça et de vous jouer la dernière phrase, vous dire au revoir et très vite, on va faire une deuxième. Je vous propose une vidéo qui va suivre, qui va parler de choses importantes aussi, je fais un petit clin d'œil à Xavier Leroy là-dessus, à savoir continuer à trouver du plaisir dans ce qu'on fait. Le fameux do ré bémol. L'arpège.